Attends. Oups. Ça, c'est pas une bonne idée, ça. Là, ça aurait été un petit peu cucu, hein, con. Là, tu bouffes de l'énergie. Libellule. Sky. Un peu m'éteindre ça 2 minutes. Merci, ma belle. On va regarder. Donc, on va terminer cette histoire. On va regarder notre électricité. À mon avis, je suis loin d'en avoir assez. Parce que là, j'ai besoin de 2900 et ouais, à peu près 4400, quoi. À peu près 4400. Et j'ai un là, je peux pas avoir d'excès de production, bien entendu. Oui, quand même, 23 000. Ouais, mais je suis à fond, quoi. Alors, soit je peux travailler, continuer à travailler comme ça. Donc, ma génératrice va me faire 1000 watts ici. Donc, la génératrice avec ça. Bon, ici, de toute façon, j'ai un petit peu changé. Donc, là, j'ai mis de la Snow Cliff. Et j'ai de l'eau de truc en bas, du TPCOE. Par contre, ici, je me demande si je peux. Je vais plutôt faire tout travailleur. Tout travailleur. Parce que à l'eau, c'est pas obligatoire que ce soit seulement lui, puisque tout est décidé par la priorité. Et donc, logiquement, Maker ne va pas m'en faire. Ok, on a fini les petites sculptures. Alors, le raffinage du psychite me donnerait quoi? Du flic et du yayo. Ouais. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Le problème, c'est que pour faire du flic et du yayo, il faut du... comment vais-je dire, de la neutroamine, je pense bien. Ah, quand même, faire les... Alors, je suis occupé de me poser une question aussi. On a les armes multicanons, on a le minigun. Et le minigun, peut-être qu'il pourrait être une très bonne arme si elle est mise ici. Elle tire énormément sur le côté, mais si je demande au minigun de viser ici derrière, au lieu de viser sur le petit bonhomme, on devrait pouvoir mettre un maximum de balles là-dedans. Non, c'est bien possible que mes portes visent. Mais le problème du minigun, c'est qu'il coûte extrêmement cher. Et l'idéal, c'est d'en récupérer un chez les attaquants. Mais il faudrait avoir autre chose que des... Il faudrait avoir autre chose... que des mécanoïdes, bien entendu. Écoutez, on peut déjà peut-être commencer. Je crois que je vais faire une... Qu'est-ce qu'il nous reste? Il me reste 4 petits trucs, là. 4 composes. On va laisser venir, j'ai besoin d'un petit peu plus de métal.
J'ai besoin d'un peu de métal, un occupé d'enfer, donc ça va. Jean, je pense que tu n'es pas obligé. Donc ici, on a terminé avec... Il me faudrait quand même... Alors, j'ai 5 par balle, il m'en faudrait 6. Regardons un petit peu, comptez les équipés, j'en ai 5. Mais ça coûte un composant. On va s'en refaire un quand même, parce que c'est quand même important. Je pense. Un gilet pare-balles, c'est important. Ainsi qu'il me faudra des casques. Quelques casques en plus, parce que là je suis un petit peu court en casque. Il m'en faudrait normalement 9. Et pour l'instant j'en ai 3, j'en ai 4 corrects. Mais combien ça me coûtait encore un casque de commando? Un composant avancé. 40 places d'acier, ça va, mais... Écoutez, ce qu'on va faire, je vais faire un truc comme ça. Déjà, le chauffe, il faudrait que tu... Là, ça va, 96. Une fois que tu as 100, tu te tires de ce truc. Voilà. Ici, ça va pas. Ouais. Alors, ici on a terminé. Donc on va stopper un petit peu ces ordres-ci. Et on regarde ce qu'on a comme métal. 566, j'ai vraiment pas assez de métal. On va lancer la forge. On va lancer ceci. Activer. Alors, nous avons de l'équipement, donc j'ai demandé tout ce qui est horrible jusque bon, avec y compris l'armure. On va prendre l'armure de commando. On a tous les... ça on s'en fout. Surtout pas les chapeaux, bien entendu. Dans les coiffures, nous avons... les casques simples, mais pas jusque bon, on va oublier bon. On va aller jusque normal. On va faire horrible normal déjà, c'est pas mal, je pense. On va virer cette armure de commando. Elle est trop longue, 15 à mettre, 15 secondes pour mettre. Donc on va un petit peu l'oublier. Ce n'est pas très important. Donc ça c'est... Ok, donc tu es jusqu'où? Je t'ai mis jusque là-bas, c'est ok. Ensuite, Ah ben non, ici tu peux aller jusque horrible... Ouais, bon, enfin, on verra bien. Et les armes... Les armes non biocodées... ok, je vais quand même de horrible à normal. Ok, tout est bon, épée longue... Je vérifie que j'ai bien mis tout. Massue, arme intelligente, arme à distance, carabine de survie, fusil à pompe. Mitrailleuse, pistolet mitrailleur et revolver. Je pense que... Horrible, anormal. On va déjà récupérer pas mal de petites choses. Avec ça, je pense. Et on est dans le bon truc. Ok. Alors, toi, t'es occupé de me faire le gilet pare-balles, ok. Et puis après,
On a plein de trucs encore ici, hein, bien sûr. J'ai 45 débris d'acier dans ce coin-ci. Une quarantaine, en tout cas. Je vais... Oui, ça va. Est-ce que le chauffe pourrait me faire ça, peut-être? Je sais pas, on va voir. Ah, zut! J'ai un truc de pété. Eh bien, mon petit, eh bien, allez-y. Ok, si je vois Vache qui est occupé de nettoyer ici, et Sky, tous ces gens-là, on va les lancer, donc, ici, dedans. Allez-y, mes petits. Et nous avons Dan qui s'occupe de me faire un petit peu de métal. On va... Alors, Dan, est-ce que tu continues à me faire du métal? Ouais, tu recycles. Parfait. D'accord. Maker. Tu nettoies. Donc ici, nous avons terminé avec ceci. On a notre gilet pare-balles. On a notre grenade IEM. Donc on va éteindre cette petite machine ici. Est-ce que nous avons encore un petit peu de Diabletov? Nous en avons encore 31, ce qui n'est pas suffisant. Libellule a fini ici. Stop. Et Maker. Il y a... Voilà. Et maintenant, j'efface ta zone de travail. Parfait. Enfin, Libellule est parti s'amuser ailleurs. J'aurais voulu savoir ce que me fait le chauve. Il transporte du riz. D'accord. Oui, donc tout ça c'est bien propre pour le moment. Donc t'es déjà occupé de fusionner là, mec. Donc c'est pas... Un plafond s'est effondré, bien sûr. Très attention. Il faut faire très attention à ça. Avant que quelqu'un se fasse buter. Donc, on va... Ça, c'est le genre de choses qui vous coûte très cher. Voici une petite colonne en ardoise. On va positionner au milieu, ici. Il sera très bien. Voilà. Et on va demander à M. Grizzly de s'en occuper. Voilà. Ok. Grizzly, vous avez fait votre petit travail. Pas encore. Ouais, ça va. Ah, pauvre Grizzly. Fatigué. Donc, on va quand même te laisser finir, hein. Et après, tu te ramènes ça. Voilà. 62. Allez, force.
T'as pris ta pierre, c'est bien, mon petit. Ah, t'as perdu, t'as pas pu dormir avec le chauve. Ça, c'est dommage. Alors, on en est où? Ici dedans. On a encore plein de trucs à terminer ici. Ok. Alors, au niveau de l'électricité, on est toujours bon. Sauf qu'ici au-dessus, on n'est pas bon du tout. Il faut que je transporte celui-ci ici. Et la loupiote va aller avec. Va être réinstallé, mettons ici. Becker. Viens un peu m'amener ça. Chauve. Amène-moi ça après. Bien. 6. Libellule, non. Pour le moment, libellule, je vais t'enlever de composants. Voilà. Par contre, je te demanderais bien de venir ici. Il n'y a plus de matériaux. Ok. Qu'est-ce qu'on veut Ah ben oui, j'ai tout ceci. Tous ces trucs-ci, des gilets pare-balles de mort. Donc, on prend ces deux l'équipement, de l'équipement, les gilets pare-balles, jusque, normal, c'est bien. Voilà, libellule. Parfait. On va faire pas mal de métal, tout ça. Qu'est-ce que ça me donne? Donc, ça me fait 7 tissus et 15 aciers. Ouais, ça vaut la peine, hein, de... C'est plus ça. Ça, ça donne 15 aciers et 7 tissus, alors que ceci ne donne que 15 aciers, en tout et pour tout. Donc, c'est moins lourd et c'est plus intéressant. Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous allez dans le noir, les petits gars? Alors, où est-ce que j'en suis dans les... Donc, nous avons ici un joint de smokeleaf. Le joint de smokeleaf se vend 11 francs. 11. Quantité de travail, 8. Et il faut 4 feuilles. Quantité de travail 8. Si on prend le TP Coé, le TP Coé ne se vend que 10. Il y a un en moins, 10% à peu près de travail en moins. Alors, d'un autre côté, si on prend de la psychomide, du smoke leaf, on regarde le smoke leaf ici, il fait 7 jours et demi de croissance et il me donne 9. 7 jours et demi, 9. Si on met de la psychomide, il me demande 9 jours et il ne m'en fait que 8. Il me faut
électrique, le TP-Koe me demande un niveau de cuisine. Donc logiquement, pour faire du TP-Koe, ça vous donne de l'XP. Par contre, on sait que on n'a pas d'XP en faisant du joint. Tout travailleur, normalement, je sais qu'on n'en fait pas, qu'il n'y en a pas. Maintenant, il faudrait vérifier, est-ce que... Comment ça, un fauteuil normal, tu te fous de moi, ma belle? Là, ça ne va pas, ça, ma grande. 0,8, c'est pas assez. Autant faire une chaise. Donc, je suis pas sûr que le TP-Koe soit plus intéressant. Pas sûr du tout que le TP-Koe soit plus intéressant que la Smoke Leaf. Il semble que non, je dirais. Puisqu'on a plus d'herbe, elle va plus vite à tronc. Ok. Donc, on ne fera pas du TP-Koe, on va faire de... Enfin, pas de, de Psychoïne, on va plutôt faire du... Comment dire, on va plutôt faire de la Smoke Leaf. Enfin, par contre, j'ai un problème, j'ai pas assez de jus. Je n'ai pas assez de jus à 8h du matin. Donc, pour le moment, je peux pas ouvrir ce truc. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne ici qui vient me faire de la raffinerie? À mon avis, c'est parce que j'ai mis personne pour en faire. C'est tout. Donc, fabriquer... On va vérifier tout ça. Fabriquer de la drogue. Donc, fabriquer de la drogue, tout ça va bien. Mamdon, tu peux pas. T'as pas le droit, bien sûr. Pour le reste, ensuite, nous avons travaillé à la raffinerie. Ok. Le chauffe, tu peux y aller aussi, hein, pourquoi pas. Mais je veux d'abord que tu me fasses des pierres. Grisly. Toi, tu serais plutôt dans niveau 7, Dan, niveau 6. Niveau 6. Ouais. Maker, on t'oublie. Vache, on oublie. Et... Voilà. Comme ça, ils vont me faire quand même un petit peu de chemfuel. Ok, on avance un petit peu plus. Bon, ici, ça me semble plus trop de pépins, ça se passe bien. Alors, il fait combien de degrés ici? Il me fait, bien entendu, je ne pousse plus qu'à 40%, mais... On ne va pas gaspiller d'énergie non plus pour le moment. Donc j'ai 8. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire? Et 600. On va se lancer. Ça. Ben, on ne va pas le lancer tout de suite. Je vais attendre d'avoir assez de jus. On va également se faire une structure en calcaire. Je ne suis pas certain que elle va être attaquée. Je ne pense pas qu'elle va être attaquée. Je pense au contraire qu'elle ne va pas être attaquée. Du moment qu'elle est, elle est protégée comme ça. C'est bien possible qu'elle ne soit pas attaquée. Par contre, on va créer une ligne électrique. Un câble électrique qui partirait d'ici.
va venir. Rien que ça, ça fait déjà un sacré paquet de fer. Et bien visé, ça. On va se lancer ça. Déjà, on va regarder à ça. Ensuite, il me faudra... mais ça, on va le faire après. On va déjà lancer ça. Normalement, je n'ai que Libellule qui devrait aller me faire ce truc. Bien, elle peut aller toute seule. Ouais, ici, je suis pas sûr que je vais continuer à garder ça longtemps. Mais bon, c'est pas pour les quelques secondes qu'ils ont besoin pour planter ce truc. Donc, il me refallait un fauteuil en tissu aussi. Mais on va laisser d'abord la petite faire ça. Libellule, où es-tu? Transporte acier. Ouais. Alors, Baker, tu me fais quoi? Tu fabriques un composant. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste encore quelques petits bidules. Donc, pourquoi est-ce que Dan, tu me fais quoi? Tu récoltes, ok. Ce qui était logique, c'est d'abord ta priorité. Alors, on a déjà fait notre... On en a 70, ce qui est pour moi parfait. Donc pour le moment, celui-ci va être coupé, il ne sert à rien, il ne sert plus à rien pour l'instant. Et ici, on a toujours 700 watts quand même qui sont en route. Hein. Donc Dan, est-ce que toi, tu recycles de l'équipement? J'en suis très content. La vague de chaleur est terminée, c'est bien. Comme ça, on repart correctement ici. Bien, Libellule, ça avance, ma belle. Il me reste toujours 500, c'est bien. Et donc, normalement, vous voyez, ils remplissent d'abord ici, et puis ils remplissent seulement là-bas. On a encore beaucoup de travail à faire. Hein. Je voudrais quand même mettre une tourelle ici. Sans doute une tourelle ici également. Une tourelle dans ce coin-ci, certainement. Une tourelle, ouais. Pour éviter, si jamais on a des pirates qui venaient nous attaquer avec des... Comment vais-je dire? En attaquant les murs, quoi. Ok, j'ai 12. C'est bien, ça. Donc ici, nous avons terminé notre bidule. Combien est-ce qu'on a de... On va déjà annuler, pas annuler, on va dire ordre, enlever les plans. Et on va regarder
15 x 19, si je me rappelle bien. Donc on devrait avoir du 15 x 19 ici. 15 x 17. Donc il faut que je creuse encore. Alors, creuser ici, non, mais creuser ici, oui. Ça, c'est 19. Là, ça fera 20. Et on va avancer celui-ci, bien entendu, le plus proche possible. OK. Bien. Ça faisait longtemps. Bon, on va aller regarder ce qu'il va nous mettre comme saloperie avec. En tout cas, il est très bien placé cette fois-ci. Mais qu'est-ce que c'est que... Ah, j'aime pas quand c'est des centipèdes, mais bon. Toi, tu vas me donner quoi? Okay. Ça, c'est quoi cette histoire? Contrôleur météo, tu veux me donner du brouillard. Alors, si je me rappelle, le brouillard n'occupe, ne me dérange absolument pas. Le brouillard va uniquement diminuer la visée, et donc c'est tant mieux pour nous. Tandis que ça ne diminue pas l'extérieur, la luminosité, en tout cas pour nos plantations. Et donc, moi, je pense que ceci est très bien. C'est du blaster, c'est du inferno, et c'est... Bon, en plus, c'est pas du dur, c'est pas du difficile. Alors, ça, c'est de l'activity. Ça, c'est un bouclier anti-mortier, oui. Donc, ils sont dormants, ils n'ont pas l'air de jamais se réveiller. Le brouillard, on s'en fout totalement. Ben pour une fois, on a une bonne chance avec notre petit bidule là. Ça me plaît bien, ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup. Merci, monsieur. Il va aussi falloir que j'ouvre ce truc ici, moi. Ça serait pas plus mal non plus. Mais on va d'abord faire ce qu'on a à faire. On n'est pas pressé. Enfin, on n'est pas pressé. Non, on n'est pas pressé, effectivement. Sauf que je pense qu'on est quand même passé déjà dans... des attentes élevées. Donc là, on est au même niveau que Stan, même. Que Stan. Je dis toujours Dan, d'ailleurs, à sa place. On est au même niveau que lui, en tout cas. OK. Il y a peut-être une chose qu'il ne faudra pas que je oublie. C'est les zones, bien sûr. Parce que là, on est en plein dans la zone pour nos pauvres animaux. Nos pauvres animaux. Donc ici, c'est totalement... c'est fini. Tout ça, tu oublies, mec. Voilà, tout simplement. De ce côté-ci, on ne vient plus. Voilà. Par contre, tu peux venir... autre part, et surtout ici, ce que je vais faire, c'est annuler et annuler. Parce que j'ai pas du tout envie de perdre un animal bêtement. Par contre, tu vas pouvoir, les animaux vont pouvoir venir autre part. Donc ça, j'ai eu les trucs. Maintenant, il me faut les herbivores qu'on va supprimer ici. Voilà. Et on va les rajouter étant une zone autorisée. Voilà. Vous pouvez me prendre ça, les gars.
comme ça. Donc architecte est en une zone autorisée, herbivore oui, et carnivore. Voilà. Et voilà. Ensuite, dans travail, planning, on a corps, retirer une zone autorisée, constructeur, pardon, constructeur, on enlève bien entendu. Je ne veux rien de cette région. On oublie totalement. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Bien que normalement, je ne vois pas pourquoi j'irais jusque-là. Voilà. Ok. Ah, machinerie compactée. Ouh, mais c'est génial. Alors, maintenant, on va juste vérifier que Decker but d'anarchiste. On prend Decker, on regarde son minage, il n'a aucun problème, donc oui. Bud, ton minage est à rendement minier. Anarchiste, certainement pas. Decker. Allez, c'est mon gars. Viens ici mon gars. Bud, je crois que tu peux, hein. Rendement minier, vaut peut-être mieux pas. Allô. Rendement minier, oui. Bud. Voilà. Decker. Nouveaux amoureux. Ah, ça, ça me fait plaisir. Je parie que c'est Dan et Sky. Eh bien, vous voyez que ça valait la peine. Ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Donc, on va leur faire un petit lit. On va leur faire un lit à nos copains. Alors, il me faut pour faire un lit. Ben déjà, on en a un, je crois que non, on n'en a pas. On dirait pas, non. Si, j'en ai un. Pour le moment, j'en ai un ici. Mais je préfère en faire un nouveau. On va essayer que notre ami nous fasse ça correctement. Voilà. Où es-tu, libellule? Viens me finir le lit d'abord. Parfait. Alors c'est donc Dan qui était ici. Alors ici on va enlever Dan et on va mettre plutôt quelqu'un qui a un peu plus de mal. Comme par exemple Bud. Je vais mettre plutôt Bud ici. Voilà, puisqu'on a les petits points en plus. Et on va mettre... on a Sky là-bas, on a personne ici. On va désinstaller celui-ci. Ah, ça fait plaisir, hein. Et on va désinstaller celui-ci aussi.
Alors, on va vérifier que Sky, hein, tu as du 10 points, donc sans aucun problème. Et Halo, tu fais celui-là. Ok. Donc Sky, après, tu me fais... Ok. Ah, ça fait plaisir. Regardez-moi un peu le paquet de 20 composants. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas besoin d'aller sur... Pour le moment, quand on est dans une montagne comme on a ici, je vois pas l'intérêt tellement d'aller creuser hors colonie. Hein. Pas besoin de changer de colonie, c'est pas la peine de... Voilà, c'est toi de là. Ok, donc, il me semble que nous avons terminé les casques. On garde ces casques là, c'est ok. Tout ce qui est bon. De la pénoxycilline, je n'en ai plus que deux. Et je pense que c'est à 1 ou à 2 qu'on redémarre la pénoxycilline. C'est bien ça, je pense. Oui, à 1, ok. Maker, tu n'as plus rien à faire, mon ami. Bien, on va quand même te donner du boulot. On va te donner du boulot. On va te demander de nous faire... Je ferais bien un petit bras bionique. Qu'est-ce que tu me demandes pour un bras bionique? 4 composants, 15 classes d'acier. Pour remplacer le bras de notre ami Grizzly. Mais nous pouvons également faire un casque de commando. J'ai besoin d'un casque de commando. On va en faire un. Déjà. Comme ça, Maker, tu continues à travailler. Voilà. Ensuite, dès que Libellula fait son lit, on va lancer notre... Tu m'as fait quoi comme lit, ma belle? Ah, t'es une chieuse. Pas excusez-moi. Mais t'es quand même une chieuse, ça c'est sûr. Et donc, une copie. Je veux un excellent, s'il te plaît. Libellula. Où es-tu? Et on va, voilà, ok, c'est bien. On va demander à Chauve d'aller me porter. Le Chauve, il peut aller porter des trucs. Donc, le Chauve planning, tu vas dans tout. Comme ça, tu peux aller me porter un petit peu de matos. Et on va ouvrir ceci. Ça c'est un petit peu con, mais il n'y en avait qu'un, de toute façon, c'est pas grave. Pas un con, c'est pas grave. Alors, qui est-ce qui est parti? Ça doit être le Chauve. C'est bien mon garçon. Pas bête, vous, hein? Alors, mademoiselle Libellule. Encore un Liban. Ok. Sauf que maintenant, j'ai Sky et Dan. Donc, on va te réinstaller là pour le moment. En attendant, paf, ici. Sky et Dan. On va dormir.
T'as plus sommeil? Tant pis. On va demander aussi à un archiste d'aller là-bas aussi. Anarchiste. Mais Bellule, de toute façon, là, tu peux pas, donc ça, c'est un peu idiot. Voilà. Puis on aura, on a encore plein de trucs à faire. Mais bon. Donc, nous avons terminé ceci. Nous en sommes ici encore à 22 heures. Et notre quête est dans un jour. On peut la prendre. Alors, qu'est-ce que je voudrais avoir? Soit ceci, soit la valeur, la faveur royale. Seul truc, c'est que c'est 11. Alors, 11, j'aurais eu assez. Donc, il me faut combien? Alors, bio. Mandataire. Donc, on est déjà 5 dans le mandataire ici, nous autres. Qu'est-ce que nous avons besoin? Donc, si j'affiche ici, ça me permet de mieux voir ici. Voilà. Il me faut que mandataire. Mandataire demande en tout et pour tout 7 faveurs. En tout et pour tout. 6 faveurs royales, c'est entre propriétaire foncier et mandataire. Quand on voit ici 6, c'est entre mandataire et écuyer. Écuyer, hein, voilà, etc. Hein. Donc, nous avons uniquement besoin de mandataire pour tout le monde. Donc, avec 7, j'aurai assez. Mais bon, autant qu'il en prenne un peu plus. Ce problème d'écuyer, c'est qu'écuyer, vous êtes obligé d'avoir une salle de trône. Et j'en ai pas vraiment le besoin. Mais c'est pas grave. Donc, on va prendre qui? On va prendre qui? On va prendre qui pour faire ça? Il me faut quelqu'un qui puisse faire soit du tir, soit de la mêlée. Pourquoi? Comme ça, si jamais on reçoit une arme biocodée, il peut la prendre, que ce soit soit un marteau, soit n'importe quoi, il pourra l'utiliser. Et qui est-ce qu'on aurait pour faire ça? Toi, pas trop. Sky, tu peux faire les deux, Sky. Tu peux me faire de la mêlée et du tir. Je pense que c'est Sky qui serait la plus... Libellule aussi, très bonne dans les deux. On peut mettre Libellule. On peut mettre Libellule. Est-ce que... Mais tu as 60 ans déjà, toi. Hein? Tu as déjà 60 ans. Mais comme tu fais pas de travaux ménagers, si jamais je te monte en tant que un peu plus haute, ben, tu n'en feras de toute façon pas du travail ménager. Et donc c'est pour toi. C'est toi qui vas accepter ça. Accepté pour Libellule. Voilà, Libellule, c'est toi le plus important, la plus importante. Tu as reçu une capsule, ma chérie, et donc on va se rendre sur les lieux. Et il n'est pas encore là, le voilà. Bien. Ça, il faut que je le désinstalle.
pas obligatoirement. On va uniquement installer notre petite bidule. On va regarder si on peut l'installer. Là, j'aurai pas le droit, il faut que je sois au moins écarté de 1, comme ceci. Ouais. Alors, tu ne veux pas que je le mette à cause de la loupiote. Ok. Désinstaller. Bud. Désinstalle. Allez, commande. Et remballe ça. Il n'y a plus de gravure calcaire, ok. C'est pas grave. Ouais. Maintenant, j'ai un... Ouais, mais hey, minute, je suis occupé de me dire un truc. C'est bien beau, mais... C'est bien beau, ça, mais comment vais-je faire? Parce que 15 sur 19. 15, il me faut absolument une colonne ou un mur. Donc, ici, il me dit, j'ai pas le droit de le faire. Mais si je mets, mais si j'enlève la colonne, donc ça, on peut déjà faire ça, mais si j'enlève la colonne, j'ai tout le toit qui tombe. Et donc, je ne vais pas pouvoir le faire ici. Non, 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 non. Parce que si je mettais un mur, tout bêtement, il va me dire que j'ai pas le droit. Il va me dire que je n'ai pas le droit. Donc on va regarder un petit peu. On va être obligé de le placer à la place de celui-ci. Bah, tant pis, ben oui, j'ai pas trop le choix. Hein. Bon, ben, pas grave. Hein. Mais bon, c'est un peu con, quoi. Bon, toi, tu vas rentrer te réchauffer un petit peu dans ce coin-ci. Hop, 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 attention au toit. Ok. Six cases, donc 1, 2, 3, 4, aucun problème, le toit peut rester, c'est pas important, pour le moment en tout cas, on va quand même l'enlever. Zone, profite sans pour me ramener ça et toi. T'en profites-en aussi.
Alors, 15 sur 19. Eh bien, c'est bien embêtant, finalement, cette histoire. Parce qu'il va m'embêter. Alors, je suis dans la... Je vais perdre tous mes arbres, bien sûr. Bon, on va le mettre là, hein. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Bon, on a grandi là, c'est pas grave. On a récupéré quand même pas mal de composants. Ce qui pour moi est une très bonne chose. 1, 2, 3. On va encore en faire quelques-uns, je crois. Fais-moi encore. Encore un au moins. Alors, commençons mes toitures. Donc là, mes toitures, c'est parfait, j'ai aucun problème. Et ici, mon toit, il n'est pas encore fait. Alors, bon, dommage. Pour l'instant, je vais également me faire. Donc, il me faudrait une arme en plus. Recycler des armes. Alors, je voudrais tout effacer. Je veux que tu me fasses une masse. En tout et pour tout. Et la masse, parce que j'ai des bonnes masses et je voudrais en récupérer une. Normalement, je viens de faire une masse, c'est ça. Et tu m'as récupéré combien? Tu m'as récupéré 12 d'uranium. Ouais. Combien coûte l'uranium normalement? Alors l'uranium, valeur marchande est de 6, 12, donc ça fait au moins 70, ça me faut au moins 72, mais je l'achète à 9 je crois. Donc ça me coûterait, donc ça vaut vraiment la peine de le recycler pour en refaire un nouveau. Donc là pour le moment, je vais encore en faire une. Encore en supprimer une. Non, c'est bon comme ça pour l'instant. On va fermer ceci. Et je vais avoir besoin de me refaire une masse. Est-ce que je peux faire les masses ici? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain de me faire une masse. Non, je ne pense pas que je puisse faire de masse. Je ne fais aucun truc ici. Et donc, on va passer à celui-ci. Et je souhaite avoir une masse médiévale par maker en uranium. Tu vas m'en faire une jusqu'au moment, jusqu'à en avoir une, ou actuellement posséder trois, jusqu'au moment où j'en ai trois, disons deux, mais en qualité. Minimum
excellente. Voilà. Et uniquement, bien entendu, ici. Donc j'en veux deux. J'ai 365 d'uranium. Et tu me coûtes 50 uranium. Pourquoi j'en récupère que 12? C'est étonnant, hein, ça. Moi, j'ai dû en récupérer plus que 12. Normalement, je récupère 70%. Et donc 10%, donc ça ferait 35. Normalement, je devrais en récupérer 35. Normalement, je devrais en récupérer 35. J'aurais dû en récupérer 35. Alors que tu ne m'en donnes que 12. Ok. Voilà. Activé. Toi dans 6 heures. Ici, on a un chauve. Il n'y a plus de place, ok. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de place alors que je suis occupé dans... Et non, il n'y a plus de place, effectivement. Si, il y a une place là, mais il y a sans doute quelqu'un qui est occupé de le récupérer, tout simplement. On est quand même toujours un petit peu limite, là ça monte. Ok, mais lui c'est bien ma biche. Il manque encore pas mal d'acier là. Par où tu vas? Ah ouais, d'accord. Est-ce que tu as le droit de... Non. Et là, comme ça, tu aurais le droit... Non plus. Ok. J'aurais pu te prendre du fer, quand même. Hein. Ok, mais... Que tu me fais ma bûche? Tu viens pour un seul truc? Ouais, de toute façon, on va quand même te booster un peu. Donc, pardon, hop, 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 et hop. Allez, fais-moi au moins ça. Là, t'as qu'à 70. Qu'est-ce que t'as fait? Vous devez ensuite protéger, tac, tac, tac. Vous recevrez les récompenses à la fin de la construction. Un casque de cataphracte et un émanateur psychique. Ça, c'est magnifique. Donc, on peut enfin démolir ce truc. Et on va s'en occuper tout de suite. Donc, je veux démolir tout ça. Déjà, on va commencer comme ça. C'est déjà pas mal de travail. Libellule. Ça, c'est la porte. On travaille bien. Bon, elle va être un peu fatiguée quand même, mais
pas le coup. Anarchiste, tu me fais. Bien. Non, non, anarchiste. Ah ouais. Tu t'es pas gêné, toi. Hein? Est-ce que tu peux maintenant me transporter ceci ou pas? Voilà. Alors, chouve, tu portes 5 de calcaire. Là, je crois que tu rêves, mais alors... 5 de calcaire, il n'en est pas question. Tu vas aller apporter ça. Voilà. Mais artisanat, ici. Ah ben non, t'es occupé. Donc il y en a bien un qui prendra ce truc en revenant. Voilà, le chauve, t'es parti. Bon, on a un effondrement de toiture. Bien joué. Est-ce que quelqu'un est abîmé? Non. Donc on va vite faire... arrêter de faire les fous. Pourquoi tu as eu un effondrement de sculpture? Tu as réussi à te faire avoir. Ok. Architecte. Ah, j'oublie toujours de penser à ça d'abord. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Étendre la zone à ciel ouvert. On va travailler, sinon je vais pas m'en sortir. Ça va être trop chiant. Donc on veut d'abord, avant de désinstaller la structure, on veut d'abord faire les toits. Donc je repars en 7 ici. Et je veux supprimer les toits en 5. Ok. Je dis supprimer les toits. Supprimer les toits. Mais qu'on s'en fout. Ça, ça va. Ça, ça va. Et Sky. Normalement, tu devrais d'abord supprimer les toits. Et non, tu désinstalles d'abord les structures. D'accord. On va passer ça en 6. Comme ça, on est moins de risques. Tu vois? Voilà. Comme ça. C'est beaucoup plus intelligent. Et donc, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Ok. Donc, on a notre groupe de mécanoïdes. On s'en fout. Les nouveaux amoureux, au fait. Ils dorment ensemble, normalement. Ok, Dan et Sky. Donc ça, ça doit être détruit. Et il m'en faut un autre. Il m'en faudra un autre.